This town's so lame. I'm feeling so wired. It's 4 a.m. I'm not even tired. Je me suis enfermé dans la salle de bain parce que j'ai envie de crier et que ça résonne. Et je suis super contente. Félicitations à l'Argentine. Bon match des Français, franchement, vous avez fait un très bon match. Je ne suis pas commentatrice de foot, mais franchement, à partir de là, maintenant, je crois que je vais commencer à commenter à fond le football. J'avais dit depuis le début que l'Argentine va gagner. Vous ne me croyez pas? Oh oui, non. Ils n'arrêtent pas de marquer avec des pénalties. C'est pas des vrais goals. C'est pas du foot. Du foot, c'est pas question que ce soit pénalty ou pas. C'est question que tu mettes des buts et c'est bon. On s'en fout du reste. C'est surtout la coupe qui devait voyager un peu, aller ailleurs, hein. Voilà, j'aime beaucoup les Français. C'était un très bon match, vous avez fait un bon parcours. Vous n'étiez pas non plus dans les meilleures équipes. Je ne veux pas vous blâmer, les Français, je vous aime, vous êtes dans mon cœur, je le sais très bien. Vous le savez aussi. Je tiens à féliciter tout simplement l'Argentine, parce que voilà, l'Argentine et moi, c'est une histoire dans le sens où... Léo. Donc félicitations à l'Argentine, je suis heureuse et contente. Je dois aller me mettre un gloss d'ailleurs, parce que j'ai la... bouche sec, je vais me mettre la vaseline. Et je suis donc excellemment contente. Alors, l'Argentine a gagné. On dit quoi? Vous dites quoi? Dites-moi quoi, hein? Pour qui vous étiez? Pour la France? Pour l'Argentine? Pour quel pays de préférence? Moi, depuis le début, j'étais pour l'Argentine. J'ai mis espoir parce que je suis belge. Mais voilà, je le savais aussi en même temps. Et les critiques, nous les Belges, quand ça va pas, on est les premiers à critiquer. Hein. Les Belges, c'est comme ça malheureusement. Mais bon, voilà. En tout cas, ça c'est mon avis. Après, ne venez pas me faire de la guerre dans vos commentaires. Hein. J'étais pour l'Argentine parce que j'aime beaucoup Lionel Messi. J'adore Di Maria, comment il joue. Pour moi, eux, la façon qu'ils jouent me donne envie, m'a toujours donné envie de regarder le football. Moi, Lionel Messi, depuis ses débuts, je le suis. Je l'ai toujours suivi. J'ai toujours aimé le Barça. Voilà, toutes les équipes où il est rentré. Je suis fan de Messi. Rien à foutre de ce que Fabrice va penser pendant qu'il va regarder cette vidéo. Parce que lui, il est contre Messi. Alors, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé le match d'aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé le match d'aujourd'hui extraordinaire. C'était un bon match. Franchement, les Français, vous avez très bien joué. Fallait un peu de temps pour vous réveiller, mais franchement, vous avez fait une belle surprise en score des deux, hein, des deux goals. Voilà, Mbappé, franchement, vous êtes vraiment une très, très bonne équipe exemplaire au niveau de l'Europe, au niveau du monde. Franchement, la France, félicitations. Mais en tout cas, mon cœur était pour l'Argentine durant ce mondial. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire voir un peu ma petite déco. Je dis bien ma petite déco parce que voilà, on est la semaine. Moi, la semaine commence le dimanche. Le dimanche, pour moi, c'est le premier jour de la semaine. Donc, du coup, j'aurais voulu aimer faire plus. Donc, du coup, j'aurais aimé faire beaucoup plus au niveau de la déco. En fait, on a juste changé le salon. On a un peu dispatché les trucs et tout. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Si tu n'as pas été le voir, vas-y. Va le voir. Clique sur le i là ou là, je sais pas. Et voilà. Alors, aujourd'hui, l'Argentine a gagné, donc j'ai gagné plein de paris, hein, tout ça, avec des gens qui disaient non, 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 avec mes enfants qui disaient oui, mais maman, la France, oui, mais... Donc voilà, j'ai eu raison, je suis super contente pour ça. Et voilà, donc je vais vous montrer un peu, on va faire un petit tour, tout ça. En attendant, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris pour Noël comme déco, quoi. La déco de Noël que j'ai, vraiment pas fait de gros achats, à part le sapin de Noël, le paillasson... qui est nouveau et certains petits accessoires comme ça, comme ci, comme ça, comme ça. À la maison, c'est pas hyper décoré quoi cette année, je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, hein, moi près de chez moi, c'est super lumineux depuis comme chaque année. D'habitude, c'est super lumineux, les maisons sont très décorées. On voit les lumières
dehors et tout ça. Moi, j'ai même pas mis les miennes d'ailleurs. Je devrais demander à Fabrice de le faire. Cette année, en fait, depuis le Covid qui était passé, les lumières, les luminosités, tout ça, et puis je comprends bien sûr avec l'augmentation de l'énergie et tout ça, il y a de moins en moins de lumière dehors. D'habitude, le quartier où je suis est bien éclairé pendant les périodes de Noël, mais là, c'est nul de chez nul. Voilà, j'ai hâte d'aller au marché de Noël, en tout cas, j'espère, si ce n'est pas le week-end prochain, le week-end d'après Noël, enfin, je veux dire la semaine, première semaine des vacances scolaires, aller avec les enfants faire un tour histoire de sentir Noël un peu dans le corps, dans la tête, dans l'esprit, dans l'âme, dans le cœur, tout ça, parce que c'est quand même très important d'être, de garder cette tradition, de garder cette ambiance de Noël, c'est hyper important, quoi. Donc, on est parti. Ouais! Alors, on va commencer par l'entrée. J'ai pris carrément le paillasson que vous avez vu sur la vidéo de mon shopping pour Noël. Donc, c'est Jingle All The Way qui est déjà installé depuis une semaine. Enlever juste les poussières. Je trouve ça vraiment super top, quoi. Et j'ai même pris ma couronne, toujours chez Cora. J'ai choisi celle-ci vu qu'il y en avait en argent. Et celle-ci, elle est en doré. J'aime beaucoup. Alors, je continue le guide en voix off pour éviter les fonds de bruit, pour ne pas déranger autour. Ça, c'est la déco du sapin hein, que les enfants ont fait avec leur papa cette année. Donc, on a repris pratiquement les boules de Noël des années précédentes. On n'a pas rajouté en plus. Il y a même une branche qui s'est enlevée. On n'a pas encore installé les cadeaux. On va le faire cette semaine, en tout cas. Voilà, on a déjà le tapis de l'arbre de Noël qui est déjà installé. Enfin installé la lampe, c'est la lampe, de la salle à manger qu'on avait acheté chez Ikea pendant les vacances d'été. On aime beaucoup ce look-là, ça fait vraiment les lampes de restaurant traditionnelles et on aime beaucoup ça. J'ai acheté mon nouveau tapis de salle à manger et de salon chez Kadizi. J'ai hâte de vous faire rencontrer le magasin de Kadizi. On ira faire un tour pour que vous découvriez les articles super, mais super intéressants là-bas. Et c'est super top, quoi. C'est vraiment le magasin qui me ressemble le plus. En fait, c'est genre du Ikea, mais pas mal, en pas mal. Vous verrez de quoi je vous parle parce qu'on ira chez Kadizi. On a toujours gardé les tons gris parce que voilà, côté déco, moi et Fabrice, on a pratiquement les mêmes goûts et tant mieux parce que ça nous fait gagner du temps lorsqu'on fait du shopping. Je réfléchis pratiquement de la même façon au niveau déco. Et voilà, et le truc qu'on n'a pas tilté, c'est au niveau des rayures, en fait, des tapis de la salle à manger et du salon. Le thème est pratiquement le même, donc c'est top. Ça nous fait changer un peu l'atmosphère de la maison. Ici, vous remarquerez que c'est pratiquement les mêmes figurines que l'année dernière et l'année d'avant. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai même pas installé de déco, mais là, on a repris les mêmes. En fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Le meuble en dessous de la TV. Ici, maintenant, on a acheté un lustre qui est super canon. On a flashé dessus, on a trouvé ça waouh parce qu'il y a des changements de lumière. Il y a plusieurs tons de luminosité aussi qui donnent au salon et je trouve ça extraordinaire, surtout en fin de soirée quand on se retrouve à deux et que les enfants sont au lit. On adore cette atmosphère de lumière douce. Voilà, et du coup, ça tombe bien pendant Noël. Donc, moi, j'adore ce lustre. Il est vraiment super bien. Et voilà, donc c'est bien parce qu'il est à Bluetooth connecté aussi. Alors voilà, étant donné que j'étais en train de chercher les calendriers de l'an, de l'avant, je les avais achetés depuis déjà un mois et je savais même plus où je les avais mis. Donc du coup, les enfants n'ont même pas pu en manger depuis le premier. Ça m'avait tellement énervé que je me suis dit non, je veux pas faire de calendrier de l'avant. Je l'avais acheté chez Lidl. Je suis avec Jérémy. Hein. On s'est enfermé un peu dans la chambre parce qu'il y a du bruit au salon. Et comme l'Argentine a gagné, donc voilà. Et donc, on est le 18. Hein. Voilà. Du coup, ils ont de la chance parce qu'ils vont devoir manger toutes les cases avant le 18. Alors voilà, donc je suis avec Gégé, mon meilleur ami qui vient de glisser d'ailleurs. Là, il ne veut pas rester assis à son,
à sa place et il sourit maman. Et voilà, et pour ce vlog qui était un peu imprévu dans le programme de ce vlog, en fait j'étais censé tourner le vlog Max 6 sur le thème de pâtisserie, du coup ça sera pour demain, parce que j'ai pris du retard et je dois rattraper le retard, étant donné que j'ai retrouvé ma voix et je suis très contente de retrouver ma voix et ma santé. Voilà, de revenir. À chaque fois, il y a un truc que vous imaginez pas. Hein. Dès que je lance quelque chose, un challenge, il y a toujours une épreuve ou un truc qui se passe. Donc voilà. C'est vraiment pas grand chose. C'est ce que j'ai repris des années précédentes. J'ai même dû jeter certains trucs. Tu veux parler aussi, toi? Bah oui, c'est pas encore ton moment de gloire. Tu vas attendre. Hein. Oui, il veut parler, le mec. Voilà! Là, il est en train de ronronner. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, reste plus que dans le sapin, mettre, comme je vous disais, les boîtes de cadeaux qui ne sont pas encore tous emballées, parce qu'on a pris un gros cadeau. Déjà, et je ne dis pas pour qui, parce que je sais qu'ils regardent mes vlogs quand ils reviennent de l'école, voir « Maman, est-ce que tu as mis ton vlog ?» Vu que mon secrétaire, c'est Alexandre, et Esteban qui regarde toujours tout ce que je fais après. Je ne vais pas dire quand est-ce qu'on va faire ce vlog-là, parce qu'on le fera quand ils sont à l'école, que j'aurais aimé vraiment vous montrer à l'avance ce que j'ai pris, mais je me suis dit c'est pas possible, mes enfants sont trop derrière mes vidéos pour les idées cadeaux et tout ça. En plus, en ce moment, on a bien fait de pas acheter plus tôt comme on a l'habitude de faire, parce que même si bon, ça change pas grand chose non plus, dans le cas où les prix ont été vachement cassés sur la plupart des choses que les enfants ont demandé pour Noël. Donc c'est top parce qu'on n'a pas claqué autant. Une expérience nouvelle, franchement, je me suis dit bah tant mieux. Tant mieux pour notre poche et voilà. Alors voilà, cette année, qu'est-ce qu'on va faire? On va offrir, on va faire des œuvres caritatives, mais vraiment de donner. Je vais donner énormément sur Vinted. Si vous me suivez sur Instagram directement, m'écrivez en DM sur Instagram et je vous donne mon Vinted directement, parce que je pense pas que c'est une super idée de le mettre sur YouTube. Je sais pas pourquoi ça. Je pense que c'est plus mon Insta. Je vais donner énormément. Je vais vendre aussi pour cette fin d'année et début janvier aussi, parce que je vais casser, je vais pratiquement rien bénéficier, quoi. On a vraiment à cœur de donner énormément, surtout les enfants ont des jeux qu'ils ont besoin de donner, de la famille qui est dans le besoin aussi. Et on a aussi des personnes qui sont proches de nous, proches de chez nous, qui sont dans le besoin. Alors, tant qu'à offrir, c'est tout bénef pour eux. Et tant mieux, parce que je pense que oui, c'est à la fin de l'année qu'on pense beaucoup aux nécessiteux. Mais je suis vraiment pour que ce soit pour l'année. Donc, histoire de voir, de programmer dans l'année aussi des périodes ou des mois où on pourrait vraiment penser aux œuvres caritatives. Je pense que c'est important parce que j'avais cette habitude de le faire quand j'étais plus jeune. J'étais marraine d'un enfant à l'UNICEF depuis que j'avais 18 ans jusqu'à mes 27 ans. J'ai parrainé cet enfant-là qui a fait ses primaires, qui est rentré au lycée, qui a fait le collège. J'étais vraiment fier de moi quand j'ai reçu le courrier de l'UNICEF. J'étais sur Amnesty. Je peux vous dire plein d'œuvres caritatives que j'ai participé. Franchement, il y en a plein. Même dans mon église, j'en ai donné. Donc, un peu partout. Donc, quand j'ai l'occasion de donner, que ce soit dans les petits riens, que ce soit dans les parcs à conteneurs pour vêtements, je le fais. Donc, c'est quelque chose que j'encourage vraiment à le faire. Si vous avez beaucoup de choses, et je vous dis, beaucoup de choses. Moi, je déteste l'encombrement. J'ai tendance à jeter. Je donne énormément à ma famille parce qu'ils en ont besoin. Surtout, que ce soit le tapis, comme vous avez vu, que j'ai changé. Qu'est-ce qu'il y a, mon coco? Il veut mon attention. Donc, que ce soit le tapis que j'avais avant, je l'ai donné. Donc, voilà, c'est un tapis qui m'a vraiment servi. Il était tout bien. Il suffisait juste de le nettoyer. La personne qui l'a reçu peut le vendre facilement à un bon prix. Et voilà, donc, donner. Nous, ça fait partie de nos dons. Je me suis bien retrouvé avec Fabrice. On adore donner tout ce qu'on a parce qu'on aime jeter. Dans la déco, on a pratiquement les mêmes goûts, donc on achète, on donne ou on jette. Nous, c'est comme ça.
Ça a toujours été comme ça, je sais pas, on s'est retrouvés, mais de ouf. Alors, je voulais aussi vous raconter un petit débrief parce que je savais pas où le placer dans mes vlogmax. Du coup, je me suis rendu compte que j'aurais pu filmer cette partie-là. En fait, j'ai reçu mes sœurs qui sont venues me visiter pour bébé GG, pour Jérémy. Donc, j'ai pas pu filmer le moment. Plein de moments parce que je voulais passer ce moment-là dans l'intimité. Ce sont des visites familiales, ce sont des visites où on vient voir le bébé. Donc du coup, je me suis dit non, je vais garder ça pour moi parce qu'on valait pas la peine de nous filmer. Je voyais pas le concept parce que je voulais vraiment qu'on discute, qu'on papote, qu'on passe un bon moment ensemble dans le privé. Et je trouve que c'est hyper important, même si je pouvais mettre voix off et tout ça et tout. Mais je me disais non, je vais profiter du moment. On a passé un super bon moment avec elle. C'était super, c'était top. J'étais vraiment béni de leur présence et de leur cadeau pour Jérémy. Vraiment, merci beaucoup Laura, Lauriane, et merci beaucoup Hélène, maman Joyce, maman Essengo. Merci beaucoup. Et voilà, franchement, ce sont des femmes formidables. Je vous mets un petit dédicace et tout à elles. N'hésitez pas à aller leur suivre sur leur page Instagram, certainement sur YouTube aussi pour Lauriane qui est sur YouTube. Mais n'hésitez pas de la suivre aussi. Ce sont mes sœurs. Hein. Hello tout le monde. Donc, on continue avec le vlog. Moi, je suis contente de vous présenter mes deux sœurs. Je suis avec Lauriane et Hélène. Donc n'hésitez pas à les suivre sur leurs réseaux sociaux. Particulièrement ici j'ai ma star hein, parce que elle, je sais que c'est sûr que si vous allez voir sa page, c'est une femme d'influence. Voilà, comme vous aimez bien. Et ici aussi c'est ma Joyce, c'est Hélène, c'est ma soeur. Coucou. Et voilà, c'est une femme extraordinaire. Ce sont des mamans, je suis qu'entourée que des mamans et des femmes exceptionnelles. Et lui c'est la star. Ben, aujourd'hui, on est venu passer la soirée avec Mass Manucure. Voilà. New voir bébé Jérémy Zion. Voilà. C'est très bien passé, très bien accueilli. On est venu avec bébé Noah. Il y a Noah, parce que lui, c'est le grand frère. Franchement, ça fait plaisir de se retrouver entre filles, entre femmes. Et voilà, suivez-la, likez, commentez. C'est une femme formidable, rien à dire, c'est un sucre, trop gros bonbon. Et sinon voilà, ça s'est très bien passé. Là on rentre chez nous. Si on la maison, on était chez Grâce Manicure, alors on demande abonnez-vous massivement, partagez, aimez, likez, laissez vos commentaires. Vous serez pas déçus parce que c'est une femme aux plusieurs casquettes. Donc au coup de manicure, au coup de cuisine, au coup de nettoyage. Et on a bien mangé. Oh là là. J'ai pris 3 kilos, donc c'est une femme formidable. Alors abonnez-vous massivement, c'est votre manière de nous soutenir sur nos chaînes. Oui, soutenez-nous aussi. Abonnez-vous. Alors, on vous aime tellement. Bisous, bisous les abonnés. Bravo. Et ce sont des femmes formidables. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de les rencontrer, de les recevoir à la maison. On a bien mangé, j'ai pris mon temps vraiment de bien préparer ça. Et je me suis dit, mince, il fallait que je filme quand j'ai préparé, quand j'ai dressé, il fallait que je fasse tout ça. Mais c'était juste pas possible parce que j'avais les enfants à gérer en même temps, les devoirs et le bébé. Donc c'était en mode chaud. Il n'y a rien qui passe avant mes enfants en ce moment. Hein. Je dis bien en ce moment parce que Vlogmax c'est bien, mais ça demande énormément de temps. Déjà, un montage, ça prend énormément d'heures, de temps. Et moi, je fais le montage assis quand le bébé dort ou quand j'ai un peu de temps ou quand j'ai terminé ce que j'ai à faire. Donc, c'est un peu comme ça que je gère ma vie. Et aussi, si je n'ai pas de choses importantes, c'est dans les moments creuses. Donc, pratiquement, j'ai pas trop d'heures pour me poser, sauf le matin si je me réveille plus tôt que tout le monde, ce qui est le cas pratiquement tous les jours. Ou si je dors plus tard que tout le monde, ce qui est le cas tous les jours, tous les jours. Donc, c'est fatigant de faire ce moment, le moment de se ressourcer seul, de se concentrer que sur YouTube dans la journée, parce que moi, mes journées sont coupées en 3. Donc, j'ai un jour, peut-être dans 24 heures, je coupe 3 jours dans 24 heures. Hein. Je vous expliquerai ce concept-là dans une autre vidéo. Je fais toutes les semaines du batch cooking depuis que bébé est là, pratiquement. Je fais la nourriture les dimanches, en tout cas le plus gros, le dimanche. Si je dois faire des semaines où je suis crevé, je prépare le dimanche et le mercredi. Dans la semaine,
Tout simplement parce que j'ai pas le temps, je suis fatigué. C'est même pas le manque de temps, hein. C'est vraiment la fatigue, l'accumulation de fatigue. T'as envie de faire autre chose, quoi. Et ça demande énormément le temps. Et c'est ça, en fait, le travail, c'est de travailler bien, se donner à fond au boulot, mais en même temps, de travailler intelligemment. Donc, je suis aussi en train de chercher une manière intelligente de gérer mes deux chaînes et, bien sûr, mes futurs clients, clientes pour 2023. C'est vraiment mon challenge, chose que je dois accomplir absolument pour 2023 et pourquoi pas d'ici la fin de l'année. Hein. On a encore 10 jours, je pense, avant la fin de l'année, dizaine de jours. C'est la semaine que j'ai pas pu mettre les Vlogmax en place. J'ai été fort malade, j'avais perdu complètement la voix, j'étais pas bien, j'avais mal à la tête, donc j'ai l'impression que j'ai subi le changement climatique. Mais voilà, je suis de retour et j'espère en tout cas partager avec vous de bonnes choses. Reviens déjà demain, je t'invite à revenir demain et on va faire de la pâtisserie, je vous le dis déjà, hein. Comme ça vous revenez et j'espère que mes petits vlogs comme ça te plaisent. Et n'hésite pas de me mettre en commentaire. Merci à tous ceux qui m'encouragent, tous les nouveaux abonnés, merci beaucoup. Les personnes qui me suivent depuis très longtemps, je vous félicite à vous la France, bien sûr. Ne me massacrez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Parce que vous êtes le pays qui me suit le plus. Et je tiens à vous remercier aussi, hein, les Français. Vous avez joué un bon match. Moi, j'ai regardé le match, il était top. Et même Jérémy a regardé le match. Hein. Il a besoin de sa maman. Et en plus, je dois aller changer la couche. Voilà, donc moi, ben, je vais vous retrouver demain. Revenez demain sur la chaîne, votre chaîne de Gracia Lifestyle. De Gracia Lifestyle. Gracia Lifestyle. Gracia Lifestyle. Alors là, tu ne déranges plus. Hein. Il aime bien être filmé, alors... Allez, à demain. Bisous.